And may I turn firstly to Nizar Baraka, who is currently the chairman of the Economic, Social, and Environmental Council of Morocco and a former minister of finance and the economy. Nizar. Merci. Alors, je voulais tout d'abord dire que au moment où j'ai été appelé en fait à intervenir sur cette session portant sur le développement de l'Afrique, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais dire en 8 minutes pour pouvoir en fait donner je dirais une vision en la matière. Et comme l'a rappelé le modérateur, aujourd'hui, il est clair que le souverain a placé l'Afrique au centre de son projet politique. Il est clair aussi qu'il y a une croyance que nous partageons tous et que le souverain a soulevé et relevé au moment de l'ouverture de ces rencontres. C'est que le continent africain a un potentiel énorme. Il ne peut que véritablement donc réaliser ce potentiel. Et comme il l'a dit, le continent se dirige résolument vers la prospérité. Il se transforme rapidement selon son propre modèle et des partenariats aujourd'hui diversifiés. Ainsi se dessine une Afrique des alternatives et non pas des contraintes. Et c'est sur cette phrase sur laquelle je voudrais, à partir d'expériences du Conseil économique, social et environnemental, à partir des travaux que nous avons réalisés, apporter une ébauche de ce que pourrait être en fait ce développement auquel nous appelons tous et nous ouvrons tous pour sa réalisation. Aujourd'hui, il est clair que l'Afrique doit relever plusieurs défis. Le défi de la stabilité et de la sécurité, qui est un défi majeur. Le défi de considérer l'Afrique comme un tout et non pas celui de la fragmentation, dépasser la logique de la fragmentation. Le défi démographique, il faut savoir que l'Afrique va doubler sa population entre 2017 et 2050, et ce qui constitue, en fait, c'est une première dans l'histoire du monde, qu'un continent puisse doubler sa population en si peu de temps, avec comment faire en sorte à ce que cette accélération démographique se traduise par une aubaine pour le continent et non pas un fardeau qu'il faudra dépasser, sans parler bien sûr des autres défis liés notamment au changement climatique. On a vu que l'Afrique était le continent qui allait le plus subir les effets du changement climatique. Et bien sûr, le défi de la prospérité partagée. Alors, pour ce faire, nous sommes partis et en tant que conseil, nous avons travaillé à la demande du souverain sur une vision qui consiste à dire qu'aujourd'hui, si on veut véritablement réaliser dans le cas du Maroc, je parle de l'expérience du Maroc, donc une émergence, on doit s'inscrire dans une logique de richesse globale et qui intègre le matériel et l'immatériel et qui permet véritablement d'assurer la durabilité et en même temps l'accélération nécessaire pour atteindre ces objectifs. Et dans le cadre de notre continent, moi, je voudrais rappeler très rapidement un certain nombre de principes de base qui permettraient véritablement d'atteindre ces objectifs. Le premier, c'est s'appuyer sur le capital naturel que nous avons, et l'Afrique regorge en fait de potentialités, mais tout en veillant à ce que cette exploitation de ces ressources naturelles se fasse de manière durable, et en veillant surtout, et c'est le point essentiel, à faire en sorte que les recettes et les revenus issus des ressources naturelles soient investis sur le capital humain, sur la gouvernance, sur le renforcement également des solidarités pour assurer cette pérennisation et cette croissance future. Deuxième axe, c'est le capital produit. C'est comment faire en sorte à ce qu'on fasse un vrai effort de rattrapage sur le plan des infrastructures. Et moi, je mettrai l'accent, évidemment, tout ce qui a trait à favoriser ce maillage et la mobilité d'un côté, mais aussi veiller à ce qu'on puisse avoir une véritable assurer ce rattrapage au niveau de l'électricité,
La France a mis l'accent dessus lors de la COP21, le Maroc a appuyé encore plus dans la COP22 en mettant l'accent sur les énergies renouvelables, mais en veillant surtout à ce qu'il puisse y avoir une véritable interconnexion entre les différents pays et au sein des pays pour permettre véritablement une plus d'attraction d'investissement et surtout assurer ce développement nécessaire qu'on voudrait avoir, sans parler d'un autre pilier qui est essentiel au niveau du capital produit, c'est celui évidemment de la sécurité alimentaire. L'Afrique regorge de potentialités énormes. 70% des terres arabes se trouvent en Afrique. L'Afrique peut devenir un grenier pour le monde dès lors qu'on s'inscrit, je dirais, dans cette logique. Et puis, il y a évidemment le fait de s'intégrer dans l'économie mondiale avec une intégration dans les filières et dans les chaînes de valeur mondiale pour profiter des compétitivités partagées qu'on pourrait avoir, mais ensemble. Et pour en même temps saisir les opportunités de création d'emplois et de création de valeur et d'assurer aussi cette efficacité économique dont on a besoin. Le troisième axe, en plus du capital naturel et le capital produit dont j'ai parlé rapidement, il y a le capital également des ressources humaines. L'Afrique est un continent jeune, avec une jeunesse et une population active qui va croître beaucoup plus rapidement que la population. Et cette jeunesse a besoin d'être formée, surtout que nous sommes dans un monde qui connaît des mutations très rapides, dans le cadre de l'économie du savoir, dans le cadre de l'économie intelligente, dans le cadre de cette économie collaborative qui a bouleversé finalement nos systèmes de production et les relations de travail. Et donc il y a besoin d'assurer cette formation nécessaire et ses moyens en termes d'éducation et de santé pour que cette population ait cette capacité de s'adapter et de s'intégrer finalement dans les nouveaux, je dirais, modèles de développement à venir. Le quatrième axe, c'est celui, je dirais, de la gouvernance, de l'institutionnel, d'état de droit, mais aussi plus d'efficacité des dépenses publiques. Et en même temps, je dois dire aussi, avoir un environnement des affaires plus attractif et surtout donc lutter contre la corruption et donner de la vision, une visibilité de la vision d'avenir, parce que les opérateurs économiques ne vont pas venir dans un pays s'ils ne savent pas, en fait, qu'est-ce qui sera fait à l'avenir. Donc, une gouvernance économique et une gouvernance globale, démocratique et économique plus efficiente. Et enfin, je parlerai également d'un point essentiel et qui est en fait le capital social. Et quand je parle de capital social, c'est réduire les inégalités, un meilleur partage des richesses et plus de cohésion sociale pour pouvoir réussir cela. Et j'ajouterai, parce qu'on parle d'un continent, et on parle du continent africain, d'un autre capital, qui est le capital intégration. Notre continent est un des continents les moins intégrés. Nous avons certes des regroupements régionaux, mais globalement les échanges que nous avons au niveau du continent restent autour de 12% intra-continental. Au moment où pour l'Asie, on est à plus de 50%, pour l'Amérique, on est à plus de 46%, et pour évidemment l'Union européenne, on est entre 60-70%. Donc aujourd'hui, il y a un potentiel énorme dès lors qu'on s'inscrit dans l'échange. Évidemment, l'Afrique du Nord reste le parent pauvre, avec la frontière algérienne, algéro-marocaine qui est toujours fermée, et qui fait que les choses ne dépassent pas les 3%. Et donc, c'est ce qui explique d'ailleurs que le Maroc veut rentrer dans la CEDEAO et pouvoir aussi participer à cette logique d'intégration. Mais l'objectif, c'est comment intégrer l'ensemble de notre continent. Et les gens qui travaillent dans ce sens, en fait, je crois que c'est le vrai pari qui nous permettra véritablement d'avoir une croissance endogène qui portera l'Afrique et qui fera véritablement que l'Afrique sera maître de son destin dans un horizon, bien sûr, d'implication et d'intégration avec les différents partenaires. Et Dieu seul sait qu'il y a un potentiel énorme, rien que l'Union européenne
a mis en place un fonds de 44 milliards d'euros donc d'investissement pour l'Afrique qui peut arriver jusqu'à 88 milliards. Ce qui se fait également la Chine qui est le principal en fait investisseur en Afrique avec 36 milliards d'euros. Donc il y a un potentiel des États-Unis aussi qui s'inscrit et qui se développe. Donc il y a un véritable partenariat possible dès lors qu'on définit nos priorités. Pour conclure, je voudrais dire que le Maroc, dans sa politique, s'inscrit dans cette vision intégrée et agit sur le plan du capital humain et du savoir à travers ce qu'on fait en matière d'éducation, mais aussi en matière de spiritualité, en matière d'accompagnement. On agit sur la sécurité avec les forces de paix marocaines qui sont présentes un peu partout en Afrique. On agit sur l'économique avec les investissements. Le Maroc est le second investisseur africain en Afrique avec 5% d'investissement. Donc des idées en Afrique sont portées par le Maroc dans les différents secteurs et qui portent également le développement économique. Et on le fait également sur le capital, je dirais, naturel avec tout ce qui se fait en matière de sécurité alimentaire et en matière d'électrification, donc renouvelable. Voilà, rapidement, ce que je voulais dire sur le développement. Merci beaucoup. Thank you.